Mais qu'est-ce qu'on est bête. On est teubés. Oui, tu es teubés. Toi aussi. Toi aussi, tu es bête, oui. Car on comprend pas, là, ce que Israël fait. Le Israël, l'armée israélienne, le gouvernement israélien, pour être précis, a détruit et a complètement rasé la Palestine. Ouais, ça s'est fait. C'est fait. C'est bon. Ouais, on est OK. Ouais, c'est super, c'est fait. Il n'y en a plus. Maintenant, ils s'attaquent au Liban. Et ils sont en train de raser complètement le Liban. Mais on est bête. On comprend pas. C'est une guerre propre. Propre. Forcément, exécutée par l'armée la plus morale du monde. Ça ne peut être que propre. C'est nous, les Occidentaux, on n'a rien compris. On est des malades mentaux. Tu vois, il faudrait nous enfermer dans des... Hein ? Parce que ce qu'ils font, c'est ciblé. C'est précis. Alors oui, effectivement, il est obligé d'avoir un peu de dommages collatéraux. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Arrête de chialer. Arrête de plaindre les quelques petites victimes, là, les enfants, les femmes qui n'ont rien demandé à personne. C'est la guerre, merde. Je déconne. J'espère que vous avez compris que j'étais dans l'ironie et que j'exagère beaucoup, là. Ouais. Parce que franchement, ça commence à être n'importe quoi. L'excuse de dire « on est obligé de tuer 1000 civils pour atteindre 2 personnes du Hezbollah ou du Hamas ou de ce que tu veux », à un moment donné, c'est plus entendable. C'est plus... C'est plus raisonnable, limite. Mais, enfin bref, ils sont en train de défoncer le Liban. Oh, grosse pensée au peuple libanais. C'est catastrophique. Les dégâts sont considérables. Au centre, un cratère. Et autour, des immeubles détruits. Au milieu des décombres, les secours cherchent des victimes dans cette banlieue sud de Beyrouth. Ces frappes israéliennes ont été ciblées à Nontzahal pour détruire 3 dépôts d'armes cachées. Et le QG d'Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, sorti indemne de l'attaque selon l'organisation, mais pour l'heure, aucune preuve de vie. Ici, vous pouvez voir l'un des bâtiments au cœur de la banlieue sud de Beyrouth. C'est une illustration qui simule l'entrée et la descente jusqu'au parking où se trouve une installation de stockage d'armes. Voici à quoi cela ressemble, des armes, dans ces bâtiments en dessous de la population civile. L'armée israélienne annonce avoir demandé aux résidents d'évacuer avant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ordonne les frappes depuis New York. Des frappes israéliennes intenses, condamnées par la diplomatie internationale, qui appelle à un cessez-le-feu, rejeté par Israël. Nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade en cours au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. À la suite de l'appel lancé de Tsahal à évacuer la banlieue sud de Beyrouth, des centaines de familles entassées dans les voitures. C'est incroyable. Avant de Sincèrement, c'est incroyable. Je comprends pas. Et t'as notre guignolo de service, là, Tigrou Premier, Prince Jupiter, là, qui est en ce moment en train de partir faire touche pipi et touche moi là, avec Justin Trudeau. Enfin, Justin Pruneau. Et là-bas, il se fait interpeller et alpaguer, forcément, par. Des Canadiens, des citoyens, des gens dans la rue, des êtres humains. Tu sais, des êtres humains. Vous savez, nous, les humains... Ouais, mais après, vous me direz, vous pouvez pas comprendre, la vie humaine n'a pas d'importance pour vous. Ouais. Je déconne. Donc là-bas, il tient un discours où il dit, en gros, il dit, oui, mais ça fait 11 mois que nous, la France, appelions un cessez-le-feu. 11 mois que je me bats pour qu'il y ait un cessez-le-feu là-bas. Ah ouais. Ça fait 11 mois qu'il se bat, ça fait 11 mois qu'il parle, pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Moi, je savais pas que les mots, moi, je savais pas que des mots pouvaient arrêter des balles. Moi, je savais que les gilets pare-balles, à 90%, tu vois, ça pouvait t'éviter de mourir, tu vois, hop, c'est fait exprès. Mais je savais pas que les mots arrêtaient les guerres. Moi, allez, on arrête. Ok. Bon, il a dit qu'on arrête, on va arrêter. Ouais, on va arrêter. Ben non, on va pas arrêter. On va pas arrêter puisque pour arrêter la guerre, c'est pas des mots qu'il faut. Non. C'est arrêter d'envoyer des missiles, des bombes, des avions, des ce que tu veux. Et si je me dis pas de bêtises, vous me dites en commentaire. Si je dis une connerie, la France, entre autres, avec nos cousins américains, on livre des armes à l'armée israélienne. Si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait éventuellement
arrêter la guerre, endiguer la guerre, éviter de les armer, éviter de leur donner des armes. Et peut-être que là, enfin bref, discours complètement hypocrite une fois de plus de notre dirigeant Tigrou Premier, ça change pas. T'as l'autre boucher de Tel Aviv, là, enfin le Netanyahou, là, qui était à New York hier ou avant-hier, avant-hier je crois. Il a tenu un discours aux Nations Unies, à l'ONU. Bon, t'as vu, il a tenu un discours, il est arrivé sur le pupitre, trois quarts de l'Assemblée, là, ils sont tous partis. Bon, il s'est retrouvé seul face à une vingtaine, trentaine de personnes, bref, un petit peu plus. Enfin, j'exagère. Mais il arrive comme ça, il tient. Le mec, il est invité à l'ONU, à New York, donc il a quitté ses terres. Il y a un mandat d'arrêt international de la CPI, si je dis pas de conneries, sur ses côtes. Et le mec, il vient à l'ONU, à New York, fracasser l'ONU. C'est, tout va bien, ouais, c'est super. L'autre, on le laisse faire, le boucher chez Netanyahou, là, tout va bien. Eh, franchement, mais ça va être quoi après? Ça va être la Jordanie? Ça va être quoi après? L'Égypte, après, ça va être la France. C'est comment? Ça va être la Troisième Guerre mondiale. Parce que, et je vais vous conclure la vidéo là-dessus, je sais plus du tout comment il s'appelle. C'est un rabbin très connu sur Internet. Je crois qu'il habite en Israël. Il est très, très connu. Je crois qu'il a dit dans un de ses prêches, si je dis pas de bêtises, si je retrouve l'extrait, je vous le mettrai derrière moi. Il a dit que fin septembre 2024, merde, on est le 28 là, c'est-à-dire dans 3 jours, dans 2 jours, il a dit que ça serait la fin du monde, que ça serait le début de la Troisième Guerre mondiale pour enfin pouvoir accueillir leur machia, je crois s'il a dit ça, si j'ai pas de conneries. Enfin bref, ils tiennent des discours complètement starbés. Ça serait des musulmans ou des imams musulmans ou même des catholiques. J'en suis sûr, un prêtre, il tiendrait un discours pareil. Il se ferait démonter la gueule. Bon, un imam, je t'explique pas, il serait expulsé. Enfin, non, il serait pas expulsé. Il serait exécuté. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, oh, on est taquin. Mais là, ça passe crème. Tout va bien. Bref, vous me dites ce que vous en pensez, vous, en commentaire. C'était histoire de vous donner mon avis là-dessus, sur l'extrait que j'ai montré, sur les discours complètement hypocrites de nos dirigeants. Malheureusement pour les Libanais. J'ai plus de mots en fait. J'ai plus de mots pour décrire toutes ces barbaries et ces massacres perpétrés sur des êtres humains, pour rien demander à personne, juste pour une histoire de pétrole, de pognon, de business, de terre sainte, de religion biblique, messianique ou je sais pas quoi. Mais, hey, même pas le quart du début d'un quart d'une. Un prêtre, un imam, il fait ça, il est mort. Un indien, ils font. Hey. Un bouddhiste, je sais pas quoi là. Là, eux, normal. C'est une guerre sainte. Ouais, je sais pas. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.